au nom du Père qui, Papa qui se loue que l'eau, du Fils dit, Papa dit, l'eau qui gagne. Cet esprit dit, cette divinité qui manque à gagner. Tout à l'heure, le live était un peu interrompu par rapport à certaines manières de faire. Car, vous voulez bien caca, vous avez un de vous, votre loi qui rana, vous avez un peu de donc, on est en train de et quand on passe le bar, on va aussi donc la paix véritable on le retrouve avec vous. Donc Papa Dialungana Kangani, aujourd'hui c'était le 28 donc du 33e anniversaire de l'accident de Tatakou. Dialungana Kangani à Madima. Aujourd'hui appelé qui Kulukuta. Qui Kulukuta Golgota qui Kulukuta. Lui de la Madame de Dieu. Alors donc, une fois guéri complètement, Papa Joseph Dienguinda reconduira tous les accidentés en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, où on entendra dire en public « Soyez contents du fait que nous tous avons donc les trois glorieux, Papa qui se regrette, pas de loi, pas de l'Ontima, donc je relis fidèlement ce qu'elle avait déclaré. Soyez contents du fait que nous avons tous les trois fils de Kimangu versé le sang. C'est une victoire pour la race noire. Les fêtes, pourquoi les fêtes aujourd'hui d'anniversaire à Madimba ou bien à Kulukuta? Fête anniversaire au mausolée de Kikulukuta. 3 ans après, à l'initiative du révérend Mario Soalez, la Korekim Matadi, composée de 6 personnes, se rendit à Kikulukuta le 28 septembre 1988 pour se recueillir et déposer une gerbe de fleurs. La Koriki de la province de Congo central, à l'époque on l'appelait Bakongo, Congo central donc aujourd'hui, en a fait une habitude finalement. 10 ans plus tard, donc en 1998, le 29 précisément, 10 ans plus tard, l'église s'impliqua avec les jeunes de Lukaya, mandatés par le chef spirituel Papa Salomon le Pacifique, donc Dialungana Kangani, le Seigneur Jésus-Christ revenu sur terre. Donc, Papa chef spirituel Dialungana Salomon, son père, Papa Simon Kimbangu Kangani, il envoyait son père, Papa Simon Kimbangu Kangani, ira le 29 novembre 1998 à Kikulukuta, poser la première pierre de la construction du mausolée sur le site. Il est accueilli par le révérend Zimbu, alors président du 4 territoire de la Lukaya. Depuis, la date du 28 septembre est rentrée dans l'histoire ecclésiastique des cérémonies officielles de l'institution de Tata Kimbangu, matérialisée sur terre depuis le 6 avril 1921. Le mausolée est inauguré le 28 septembre 1999, comme vous direz, par le représentant personnel de Papa Fumbanza, Papa Simon Kimbangu Kangani, à l'époque on l'a qualifié de Siros. Mais Siros c'est un cachet, ça veut dire le Seigneur investi pour rétablir l'ordre spirituel. Hein, Siros, Seigneur investi. C'est S comme Siros, I comme investi, R comme rétablir, O comme ordre et l'ordre spirituel S. Donc Papa Siros, à l'époque en 99. En 99 ans. Donc envoyé par Papa Simon, Papa Dialungana, le Christ Jésus, pour aller inaugurer le mausolée là-bas à Madimba. Il s'exprime en ces termes. Lukaya Botosi. Soki bomi tongela ki ndaku oyo te nzoto ya mama ki nzembo emi bimela na mabele bolingi kozwa etumbu ya 44 ans. Autrement dit, Lukaya, vous avez obéi. Si vous n'avez pas construit ce mausolée avant l'exhumation de mama ki nzembo, vous aurez écopé le châtiment divin de 44 ans. La responsabilité du kimbanguisme devant l'histoire
a été le thème de la prédication de l'officiant du jour, le diacre Daniel Kanza Mangana. Le vendredi 28 septembre 2012, à Madimba, il avait puisé son enseignement dans le livre du psaume 2, verset 3, les textes de loi, donc la conscience humaine, donc les 10 commandements, donc Deutéronome, donc le 5e livre de Moïse, je vous rappelle, les lois, 5, 1 à 21. Le texte de méditation était tiré de Kanotouk, donc Genèse 22, versets 1 à 13, et Ebeléo, Kanoa Mutamundu Polo, Ebeléo, non, pas ce terme-là, il n'est pas pour l'école de Tasse, à Tasse, le 9, Hébreu 9, verset 22. Cet accident cachait une vérité sous-jacente. C'était donc l'article de mon collègue, le grand frère dans les médias, Patent Tattoo, l'éditeur, donc Papa Lou Sekila. C'est ça, Patent Tattoo. Voilà. Voilà mes amis, un petit commentaire de cet événement. Vous remarquerez que la personne qui a eu l'initiative d'aller célébrer cet accident, la première fois, c'était les chorales des enfants qui manguissent. Et vous savez le rôle que joue la Koreki aujourd'hui, cette activité de Tagimango Kiangani leur a confié la charge de faire la clôture du mausolée de Tagimango. Donc, tous les Korekiens, tous les enfants qui manguissent à travers le monde entier, vous m'entendez, vous avez la charge de clôturer le monument, le bâtiment qui va regorger tout le secret du monde en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Voyez-vous la responsabilité? Donc, moi, j'ai une limite à Dagibang. Puisque Coral, c'est papa qui sont locaux qui s'est qualifié de Coral des enfants qui manguissent. On est tous des enfants de Dagibang. Ça va de soi. Donc, donnons le coup de main, ceux qui sont capables de donner le coup de main à la Coral des enfants qui manguissent pour la clôture, pour la toiture du mausolée Simon Kimbangu, papa Simon Kimbangu, évidemment, Dieu de cet esprit, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Donc, les Koreki, c'est Koreki là. L'accident, la voie qui était en travaux, c'est des petites pierres. Oh, les petites pierres, Matadi, faites le rapprochement. Les petites pierres, les grelons, Matadi. Les Matadiens, ils sont issus de Matadi. Et toujours dans le Congo central, dans le bas-fleuve, ou papa, qui sont localisés en 85, à Tchéla précisément, quand il a entendu que son frère, son petit frère, eut un accident mortel, la libération du peuple opprimé. Papa, Dianguinda Koutima, fait le rapprochement, 85, 1985 et 1958. 58, 85. Et le cantique le dit bien. Il reste le Christ Jésus, papa de Lungana, est revenu sur terre. Il est resté avec nous pendant 85 ans. Et il a vaincu. Alongi Moki, Alongi Moki, Alongi Moki. Donc il a vaincu. Le Christ Jésus, papa de Lungana Kangani, a vaincu. Voilà, chers amis, le dîner de ce soir que je vais vous préparer dans le cadre de cette structure médiatique qu'on appelle le Média Kimonguiste, Média qui. Donc Média, c'est l'information que j'avais reçue pendant mes 5 mois en Kamba où nous étions en séminaire tous. Papa Simon Kimangu Kiangani, le chef spirituel, Robson Legal, le patron de la 4e et dernière génération, avait fait venir tous les communicants en Kamba pour prendre un enseignement. Et je faisais partie de cette délégation où vu l'inspiration de médias, parce que dans les médias kimonguistes, nous avons toutes les médias kimonguistes. La presse qui, la ratel qui, le kimonguisme info, toute structure qui communique sur Tagimbangu, c'est le média. Parce que, papa, c'est moi qui vous appelle ses disciples. Les disciples de Tagimbangu, donc, on est des messagers. M, E comme évocation, I, D, divinement, I, inspiré, A, des actions, K, de Kimbangu. Donc, on est des messagers pour une évocation divinement inspirée des activités ou des actions de Tagimbangu. Médiaki. Voilà, c'était Diakongo. Comment ça demande au J'ai qui? J'ai sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani. Un petit chose.
Et mes amis, on vous dit au revoir. C'est mon âme. Excusez-moi, je reviens vers vous parce que j'ai oublié l'élément. Excusez-moi, hein, j'ai oublié l'élément. Vous qui me suivez à travers le monde entier, à travers cette structure de médias, j'avais le champ fondamental de ce événement. Golgotha, c'est Golgotha. Mon Andila Golgotha. Yana taye kulusu. Pasimana makubikase. Malu ngana kuluzu bakome na Yesu mono ya matadio vanampe bakome na mono ya kelege kapela somo kavanda unakomona ndiva kuluzu Yandi walomba kwa tata Mpa situiza kwa fulenza Nui indule Pasi kamona Kanti yenu kalubi sangako Le chant dit quoi? C'est le discours politique dit quoi? Mounanzi la Golgotha, sur le chemin du calvaire de Golgotha. Yanata yebouluzou, j'avais porté ma croix. Basimana makubikase malunga. De telle sorte que ce que le Seigneur Jésus-Christ, que le Père avait promis pour s'accomplir. Kuluzu bakomena Yesu, la croix qu'on avait crucifié le Christ Jésus. Mono yanatadio, c'est moi qui l'avais emporté. Vanampe bakomena. Là où on l'a crucifié. Mono yakelenge, j'étais présent. Kampe la soumo. Kavanga, quel péché avait-il commis? Mon akomwanandi bakulusu, pour qu'il soit crucifié sur la croix. Yandi walomba kwa tata, lomba situiza kwa kulenza. Il avait demandé à son père pour sauver l'humanité simplement. Et donc le Christ revenu, papa de Lumena, aujourd'hui date anniversaire, du 28. Oui, mes amis, moi j'ai bien. C'est bien. Donc, Papa de Lungana à Kikulukuta, à Golgotha, le 28 septembre 1985, connurent les mêmes événements pour libérer le peuple opprimé, pour le qualité de négro, de négriti, d'objet peu de valeur. Mais lui, qui a accepté en même temps le pardon du péché de Ève, parce que le 24 décembre 1999, il y eut la grande cérémonie du pardon du péché d'Adam et Ève. Et donc, c'est le Christ, Papa de Lungana, qui restera avec nous à ce moment-là pour réaliser cet acte d'acceptation. Parce que l'idée de créer l'humain, c'est lui le Christ Jésus, Papa de Lungana Kangani. C'est lui qui a eu l'idée. Le Père, Papa Gisolo Kele, le 17 mars 92, il se transfigure, il part. Parce que le Christ est dans la dimension spirituelle. Papa Dienguenda, donc la deuxième incarnation de Papa Simon Gimbango, lui également il part. Mais il laisse la charge à Papa Dialungana pour accomplir, par quel est son nom, Dialungana, l'accomplissement tel que c'est dit dans l'Apocalypse 3, verset 12. Voilà, donc voilà le complément que je voulais apporter pour concernant l'événement d'aujourd'hui, du 28 septembre 1985, 28 septembre 2018, jour pour jour, ça fait 33 ans. Voilà. C'était donc Diakongo, comme ça demande une fois de plus, ici sur la place de Paris, plus précisément, aujourd'hui l'Élysée, lieu pour les esprits, comme il dirait, pour vous faire ce message de paix, car on est des messagers de la paix. L'amour sincère et véritable, le respect du commandement de Dieu, Exode 21 à 17, et surtout les bonnes œuvres. N'oubliez pas, le Christ Jésus, Père de l'Ouman, a nous enseigné quoi? Zola Koufi Kembizazo. Zola bankuni musimbe no isuka vove bambangi luzolana. Donc l'amour couvre tout ce qui est mauvais. Si on a l'amour, on a l'amour vis-à-vis de son prochain, on va le faire du mal.
on a l'amour pour lui. Parce que le semblable est l'autre. Jamais quelqu'un voudrait vouloir se faire du mal de soi-même. Donc, on est tous des amis, les âmes de Jésus-Christ, pour pas dire Longana, qui en nous, qui nous enseigne l'enseignement d'amour sincère et véritable. Une fois de plus, merci, je vous garde plus longtemps. Fokolé, Mnangoumba, Tlakisogé, Lukelo, le Père, Papa de Longana Kamani, le Fils, et le Saint-Esprit, Tata, Kimbangu, Kuntima, Kiangani, l'homme 3K, parce qu'il est disposé, la tête au Congo-Angola, l'abdomen en RDC, et les pieds au Congo dit Banza Kimbangu. Je Congo, comment ça demande d'oublier? Tout Fokolé. J'ai sa divinité, Tata, Kimbangu, Kuntima, Kiangani.